Bonjour Yves. Salut, Freddy. Yves, quel souvenir tu Oui. gardes de ta participation à la soirée La Toque et les Sportifs? Soirée mémorable, mémorable. On n'a pas très bien mangé, on a rien bu. Enfin, oui, de l'eau du robinet que Justin va nous donner. On s'est fait chier. Hein, cette histoire de cadeaux, cette histoire de il faut donner des sous, on s'est fait chier comme des rats. Mais sinon, c'était sympa. Voilà, c'était sympa parce que bon. C'était pour une bonne cause, voilà. Il y avait des anciens sportifs, ils ont morflé les mecs, ils ont dit bille tout, c'était ridicule. Je parle pas ni de Jean-Marc Ferrery, ni de tu vois, mais il y en a, ils ont morflé quand même. Ta rencontre avec le chef Philippe Da Silva? Alors, Fidel Silva, je l'ai rencontré parce que c'est la première fois que devais refaire le carrelage chez moi, quand je savais qu'il était portugais. Je me suis dit, tiens, peut-être qu'il arrive à faire du carrelage. Et finalement, non, on m'a dit qu'il était chef, donc j'ai dit, ouh là là, j'ai l'erreur, la connerie, tu vois. Donc, j'ai dit, bon, il va nous faire deux pizzas, deux raviolis. Mais non, c'était un chef étoilé, tout ça. Oh, putain, une connerie. Donc, voilà. Donc, après, je l'ai connu et voilà. Bon. Tu fais la cuisine à la maison depuis? Jamais de la vie. Jamais de la vie parce que je suis enfant de pieds noirs. Jamais je rentre dans la cuisine, quoi. Non. Non, puis, je suis pas bon. Pas bon, mais du tout. Pas bon du tout. Non, non. C'est pour ça que je me suis marié. Hein. Sinon, je sais pas faire l'aménagement. Hein. Si tu m'invites chez toi, qu'est-ce que tu vas me préparer? Alors, ce que je vais te préparer, c'est que je vais te préparer une bonne pizza commandée chez mon ami qui a un petit restaurant juste à côté. Tu choisis ce que tu veux, un hein, trois fromages, une royale. Tu choisis, hein, c'est moi qui invite, donc tu choisis ce que tu veux. Mais voilà, c'est pas moi qui fais la cuisine parce que je suis très très mauvais pour la cuisine. Bon. Tu Et aimes toi? aller quand même au restaurant? Il y a des endroits que tu aimes, Ah que tu oui, préfères? ah oui, bien sûr, bien sûr. Non, je vais au restaurant, moi, les restaurants, j'y vais. Je suis même très très client des restaurants. Qu'est-ce que j'aime comme restaurant? Mais il y en a un que je peux pas louper, c'est les gorges de Pénafort. Hein. D'ailleurs, on fait un pèlerinage annuel avec Aïoli. Hein. Chaque fin de saison, on se fait une soirée de fin de saison avec Aïoli aux gorges de Pénafort. Et puis, il y a un restaurant que j'aime beaucoup qui est à côté de chez moi à Paris, à Neuilly, qui s'appelle Chez Livio. Voilà, c'est un restaurant italien. Le patron est décédé dans les attentats du Bataclan et voilà, j'aime y aller aussi pour ça. Mais pour la cuisine qui est une cuisine italienne sympa, à base de pâtes et de pizza, qui ne fait pas grossir, la preuve. La preuve. Yves, on va finir avec ton actualité. Mon actualité, alors je serai au Cap d'Agde. Non, pardon, excusez-moi. Professionnel, tu parles. Je Oui. pensais extra-professionnel, parce que extra-professionnel, d'ailleurs, tu sais de quoi je parle, parce que tu es souvent avec moi. Hein, enfin bref, ne parlons pas de ça. Aïoli, en tournée mondiale dans le Var, un petit peu partout, et puis le One Man Show. Voilà. Alors, pour le groupe Aïoli, c'est groupeaïoli.com, www.groupeaïoli.com, et pour Yves Fujol, c'est www.yvesfujol.com. Voilà, sinon, je suis très souvent aussi avec mon ami Aubin Weber, on est en tournée mondiale des bars tabac, parce qu'on fait les apéros avec Aubin Merci Weber. Yves. De rien, j'ai pas fini de parler, mais tu peux me couper si tu veux. Hein. Voilà, c'est mon ami Aubin Weber.